Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo très spéciale, il n'y a jamais eu sur ma chaîne. Donc c'est un unboxing cadeau d'anniversaire d'une abonnée qui est donc Emmanuel, qui me suit depuis déjà un petit moment, qui commente très souvent mes vidéos et très souvent, moi j'adore ses commentaires parce qu'elle... ça se voit qu'elle a regardé toute la vidéo, quoi. Et j'aime beaucoup parce que moi, c'est ça que j'aime bien avec ma chaîne. C'est surtout vos commentaires pour qu'on puisse partager. Voilà, c'est vraiment pour ça. Je pense que je l'ai dit dans assez de vidéos. Ce que je veux, c'est surtout avoir vos commentaires, vos avis sur tout ce que je fais, tout ce que je vous montre. Et comme vous le savez, donc ce sera bientôt mon anniversaire, donc le 21 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 17. J'ai reçu hier donc son colis. Elle a voulu donc m'envoyer un petit cadeau. J'ai été très gênée, donc au début, je voulais pas trop, mais vu que ça va être la première fois que quelqu'un que je ne connais pas forcément m'envoie un cadeau, je trouvais ça très sympa et j'avais hâte en fait de voir ce que c'est. Alors je lui ai dit que même si c'était quelque chose, mais vraiment un tout petit truc, c'est déjà l'attention qui compte. J'ai jamais été très cadeau. Quand on me demande ce que je veux, je dis rien. Et je suis très contente du coup d'avoir ce partage pour en arriver là en fait avec vous. Je trouve que c'est... c'est ce que je voulais sur ma chaîne. Avoir un partage et ne t'inquiète pas Emmanuel, c'est-à-dire que là tu m'envoies un truc mais je pense que je t'enverrai peut-être quelque chose aussi. Voilà. Et on va commencer par ouvrir ce colis. Donc elle m'a dit qu'il y avait un sens pour ouvrir ce carton et que je devais tomber sur une carte. Voilà. Parce qu'il faut que je suive cette carte. Donc écoute Emmanuel, je vais essayer d'ouvrir ça. Si je vois que la carte n'est pas de ce côté, je retourne la chose. Voilà, donc on va commencer. Donc vous voyez le carton. Voilà. Je pense que c'est un carton c'est un carton qu'elle a eu de chez DAC, je pense qu'elle a dû garder. Donc elle m'a dit qu'elle avait mis des petites choses dedans. Elle m'a dit c'est pas grand chose, j'espère que tu seras contente. Mais écoute, rien que d'avoir ce carton, en fait, déjà je suis contente que tu m'aies envoyé un carton. Déjà, donc écoute, on va voir ça. Alors là, Non, mais il y a beaucoup de choses quand même. Enfin, je sais pas ce que tu as voulu faire, mais il y a quand même beaucoup de choses dedans. Wow. Il y a beaucoup de choses. Je suis toute gênée. Ah, attendez, parce que du coup, elle m'a dit qu'il faut qu'il y ait une carte. Donc, je pense que c'est l'autre côté au final. Hop. Donc, on va ouvrir l'autre côté. J'ai ouvert les deux côtés du coup. Alors. C'est pas grave, je le laisse sur ma table. Et hop. Non mais là, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, on y est sur la carte. Oh, elle est trop mignonne. Regardez-moi cette carte. Elle est trop mignonne. Je suis trop contente. Alors, je vais déjà regarder si c'est quelque chose d'intime ou pas. Et si c'est pas trop intime, je vous lis ça. On va voir. Alors j'ai quand même lu la carte, je sais pas si elle veut que je vous le... Si je le dis à l'oral ou pas, mais du coup je vais pas vous le lire, mais c'est vraiment... Mais tellement gentil, tout ce qu'elle a écrit, je suis trop contente parce que... je sais pas, je suis trop contente, voilà, c'est... Ça me touche parce que... Tout ce qu'elle dit, mais moi je me rends pas compte parce que je fais mes vidéos, je fais ce que j'aime, voilà... Et de voir que vous, ça vous apporte beaucoup, autant de choses dans votre journée, c'est fou. Enfin, voilà. Donc, je suis trop... écoutez, je suis très contente. Et elle m'a dit, du coup, que la carte, elle l'a fait, elle-même. Voilà. Mais regardez-moi ça. Oh, c'est trop joli. C'est super joli. Donc, je vais pas vous montrer... je ne vais pas vous montrer l'intérieur, mais... Alors, attendez. Enfin, bref, voilà. Elle l'a découpé. Elle a mis une petite carte, du coup, à l'intérieur. Et ta carte, c'est quoi? Je vais tellement la garder là, je vais la mettre sur mon frigo carrément. Elle est trop belle. Ouais, j'adore. Et merci pour ton bon anniversaire en avance. Je,
tu es du coup la première à me le souhaiter. Mais de toute façon, voilà, tu m'as dit que je pouvais ouvrir ça avant mon anniversaire, mais je pense que je mettrai de toute façon la vidéo le jour de mon anniversaire. Donc voilà, de toute façon, elle aura déjà tout, tout ce que je pense par mail, vu que c'est là, par là qu'elle m'a contactée. Mais franchement, rien que la carte, je suis tellement contente. Bon bref, allez, on va continuer parce que sinon ça va prendre 10 ans. Alors elle m'a dit qu'il fallait ouvrir dans l'ordre qu'elle l'a mis là. Et donc elle m'a dit le numéro 1 et numéro 2. Je dois ouvrir le numéro 1 et numéro 2. Elle m'a dit des petites choses qui ne me servent plus, mais j'espère que te sera utile. Ben écoute, on va voir ça. Donc je vais déjà chercher le numéro 1 et le numéro 2. Alors, elle m'a mis autre chose ici. Ah oui, donc ça c'est le truc de mon journal relais. Waouh, regardez-moi ça. Regardez ça. Je vais déjà prendre peut-être une petite photo avant de déballer, pour avoir un petit souvenir. En tout cas, très bien emballé. Voilà. Ça, c'est des choses qui servent dans tous les cas. Hein. Quand vous faites des emballages, ça sert dans tous les cas. Regardez-moi ça. Mais elle est tarée, mais t'es tarée. Mais tarée. Bon. Je vais prendre une petite photo d'abord. Voilà, c'est pour avoir un petit souvenir. Donc, elle m'a dit numéro 1 et numéro 2. Ok. Là, on est sur numéro 4. Numéro 1 et numéro 2, c'est ça. Écoutez, on va ouvrir. Numéro 1. Donc, des choses. Alors, on va essayer de deviner. On va essayer de deviner. Qu'est-ce que ça peut être? Un coverminder? Alors, soit un coverminder. Soit. Alors, je vais pas trop écraser parce que je sais pas ce que c'est. Ça peut être fragile. Des choses qui ne me servent. Je pense que c'est un coverminder. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre non plus. On va utiliser le petit cutter parce que je vais pas déchirer. On va ouvrir de ce côté. Alors, soit un coverminder, soit quoi? Non, je vois pas. Hein. À part ça, on va voir. Ah, bah c'est ça! Regardez, c'est trop chou! Oh là là! Oh putain! Pardon, punaise! J'aime plus dire ce mot-là, du coup je dis souvent punaise, mais là, c'est sorti du cœur quoi. Ah, mais ils sont trop mignons! Non, mais j'adore! Mais j'adore. Et du coup, maintenant, moi, je les mets sur mon frigo. Comme ça, je choisis. Voilà, quand je fais du DP, hop, j'en prends un sur le frigo. Et on fait du DP. J'adore. Donc là, on a un petit octopus qui est tout mimi. Regardez. Trop mignon. Et en plus, j'ai une peluche. Vous savez, les peluches... comment on dit ça? Réversible, c'est ça? Qui se... Ça, réversible. On a un petit bonhomme de neige. Avec son bonnet et son écharpe. Trop kiki, ça. Et on a un petit bonbon. Il y a marqué suite avec des petits cœurs dedans. Voilà. Donc, c'est un sachet de petits cœurs. Un sachet de bonbons, de petits cœurs. Bon, bref. Trop, trop chou. Bah, écoute, si tu ne te sers pas, bah, moi, je m'en servirai. Donc, oui. C'est toujours utile parce que je sais pas pourquoi maintenant j'ai une folie des coverminders. Et comme tu as vu, hein, j'en avais acheté récemment. Voilà, donc tu as tapé dans le mille déjà rien que pour ça. Donc numéro 1 ouvert. Je crois que c'est tout. Hein. Ah non, c'est pas tout. Mon Dieu, c'est pas tout. Oh non, les petits stickers. Oh, c'est trop chou. On va les ouvrir, on va regarder ça. Alors, cette vidéo risque de durer un certain moment. Donc, n'hésitez pas à prendre un café, un chocolat chaud, une tasse de thé, un jus de fruits, qu'importe. Ou à faire du DP. Alors là, c'est plein de petits arcs-en-ciel, en fait, de toutes les couleurs. Là. Bon, je ne vais pas peut-être tous les vous montrer, mais lui, bon, alors lui, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. On a celui-là. Voilà. Puis il y en a plein d'autres. Voilà. Be kind. Très très joli. Et ça c'est Mickey.
Oh là là, je kiffe. Trop trop beau. Bon, je vais les remettre dedans du coup. Je vois même où est-ce qu'elle les a eues. N'hésite pas à nous dire hein, où est-ce que tu as eu tout ça. Ensuite, numéro 2. Donc je pense... Ah, là je sais pas du tout. Alors soit encore des Coverminder, soit... Qu'est-ce que ça peut être? Soit des... Je crois que c'est encore des Coverminder. Oh, je sais pas. On va voir de ce côté parce que là je sens rien de ce côté-là. Soit... Ah, je connais pas. Est-ce que c'est... C'est un emballage aluminium là. Oh, ok. Mais du coup, je suis con. Ah, ça va. Mon Dieu. J'allais faire une connerie. Donc là, on est sur le 38-22. Oh, je sais pas si je l'ai déjà, du coup. Mais bah, tout ça, on s'en fout. Hein. Là, c'est des diamants cristal. Oh là là. Diamants cristal. Et en plus, je suis dans une folie de diamants cristal. Donc, mais t'es très très bien tombé, quoi. Oh, j'adore. Je kiffe. Ah, je sais pas si c'est celui-là que j'ai pris aussi. Si c'est la même chose, bah écoute, c'est très bien tombé vu que bah, si je l'ai acheté, c'est que je l'ai mis. Hein. Bon, de toute façon, il y en a plein que j'ai envie d'acheter encore. Très, 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 très sympa. Merci beaucoup. Franchement, c'est... Ah ! Ah ! Non, mais en plus, elle a... enfin, c'est que des choses que... Elle est dans le mille, en fait, à chaque fois. Regardez, c'est un... j'ai oublié le nom de cette chose. C'est un... Vous savez, pour mettre dans le stylet, quoi. Hein, ça. J'ai oublié le nom. Attendez. Voilà. Non. Non, tu sais, c'est à mettre dans le stylet, et c'est la pointe du stylet. Tu sais ? Mine, comme il dit. J'ai oublié le nom, mais bah, écoute, je vais tester ça sur mon stylet. Comment ça va être? C'est plus Beaux Atours. Je vais tester déjà, je vais voir si ça rentre dedans. Mais je vais tester ça. Franchement, mais top. Top, top, top. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Voilà. Et puis en plus, elle a mis ça dans des petits pochons et tout. Donc c'est très, très sympa. Ensuite, donc faut que je récupère la carte, vous m'excusez, elle est ici. Alors, numéro 3, la Bretagne, ça vous gagne, c'est un incontournable chez nous. J'adore, j'adore la Bretagne. Alors, qu'est-ce que ça peut être, numéro 3? Hein? Des Klingamans. Des Klingamans? Je sais pas, hein. Bon, je pense pas que... Non. Numéro... Ah, attends, numéro... Des crêpes. Alors, c'est dans une boîte. Comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? La Bretagne, ça vous gagne? C'est un incontournable chez nous. Qu'est-ce que ça peut être, B? La Bretagne. Ah, si c'est sur le PV, je vais faire ça. Alors, si c'est sur le loisir créatif, oui, effectivement, il ne saura pas. Mais alors, moi non plus, de la Bretagne. Mais un incontournable, B. La Bretagne. Ah, peut-être la petite... peut-être c'est le symbole. Peut-être c'est un stylo en forme de crêpe. Tu m'as dit quoi? Ok. Un stylo en forme de crêpe. Il m'a dit un stylo en forme de crêpe. Ouais, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Bah, c'est mignon. Ah, attends, ouais, je veux savoir. Oui, peut-être un stylo... un stylo avec un symbole Bretagne. Et peut-être la dame là. La dame qui fait les crêpes là. Mm-hmm. Enfin, le symbole de la dame, j'ai oublié son nom. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah! C'est de la bouffe! Des galettes bretonnes! Bête! Nous avons des petites galettes bretonnes qu'on va déguster tranquillement au goûter. Voilà. Là, je suis trop contente. Je suis très très contente. Ok.
Ok, bah écoute, tant mieux, parce que je crois qu'il nous restait que des biscottes, et voilà. Donc ça ira très très bien. Hein? Pour le petit goûter. Pour le petit goûter. Ouais. Un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Bon, je pense que c'est un petit goûter. Très très bien. Ok, ensuite... Oh, ça me... J'ai pas envie de jeter, moi. Ensuite, fait par mes soins. Ok. Et ma fille. Pas parfait, mais réalisé avec beaucoup d'amitié. Bah, écoute. On va voir ça. Alors... Moi, je vais sortir que Coverminder. Hein. De toute façon, vous savez, petit paquet Coverminder. Hein. C'est pas un stylé. Non, ouais, Coverminder. Je pense. Je pense. Hein. On va voir. Oh, mais faut que j'arrête de déchirer. En fait, faut que je les déchire parce que sinon. Alors. C'est ça, hein, numéro 4, oui. Alors. Ouh! C'est trop beau. Regarde. C'est trop beau. Et c'est du coup, il y en a un qui ressemble à ce que j'avais acheté, mais c'est pas du tout. Heureusement, c'est pas le même. C'est pas du tout la même chose. Alors, tu me dis que c'est pas parfait, mais je suis désolée. Moi, je n'arriverai jamais à faire ce genre de choses. Donc. Wow. Non, mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Mais il est trop beau. Regarde, mais. Ouais, j'en ai un de la forme, mais c'est pas la même chose. Il est très très beau, les couleurs sont vraiment bien choisies. J'adore. Ça se marie très bien ensemble. Bleu, violet, rose, j'adore. Regardez. Franchement, je pourrais jamais faire ce genre de choses en fait. C'est... J'adore. C'est très très beau. Franchement, bravo à toi et à ta fille, franchement. C'est trop beau, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Trop trop beau. Et j'ai pas d'étoile. La couleur est très bien choisie aussi. Regardez-moi ça. Fait maison. Voilà. Je kiffe. Et c'est encore plus... comment dire? Je suis encore plus contente. Ça se dit? Je suis encore plus contente, ça se dit pas. C'est pas français. Je suis encore plus contente. C'est pas français pour moi. Bah, de savoir que c'est fait bah, par toi et ta fille en fait. Ça me touche encore plus. Je suis trop contente. Bon, j'ai mal mis. Je vais essayer de remettre ça bien. Voilà. Regardez. Trop beau. Incroyable. Magnifique. Bravo. Franchement, bravo à vous parce que c'est très 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 beau. Et les couleurs, bah, ça se marie très bien avec. Et je sais pas comment vous faites tout ça. Moi, j'arriverai pas. Hein. Après, oui, faut voir des tutos, etc. Mais je pense pas avoir la patience pour faire tout ça. Et je pense pas arriver à ce genre de résultat. J'ai pas assez d'imagination non plus pour choisir des couleurs. Hein. Mais voilà, bah, je suis très contente. Franchement, ce cadeau, je suis très très contente. Ensuite, dis donc, il y en a combien? Alors, pour l'éveil d'un de nos cinq sens. Ah, numéro 5. Bon, bah, je vais directement. Alors, éveil de nos cinq sens. Donc, c'est une bougie, je pense. Une bougie. Pour l'éveil de nos cinq sens. Ah, donc, les cinq sens... je crois que c'est ça. Hein. Une bougie ou alors de la confiture. Je sais pas. Allons, on va ouvrir. Tu vas voir ce que c'est. Ah, j'ai ouvert à l'envers. C'est pas grave. Bah écoute, je crois que c'est une bougie, non? Ah ouais, c'est une bougie. Ah, plusieurs bougies. Ok. Ah, attends, on va ouvrir ça, je les vois pas là. Il y a des bougies. Mmh. Ouais. Il y a deux. Il y en a deux. Fleur blanche, je connais pas la marque. C'est qui? C'est... Je sais pas.
Je sais pas, mais du coup, là, c'est odeur fleur blanche. Ça sent très très bon. Moi, j'allais vous faire sentir, mais pas du tout. Vous ne pouvez pas sentir. N'importe quoi. J'ai fait ça pour faire sentir. Tu es vraiment juste. Oui. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez juste voir. Faut juste que je regarde combien de temps de combustion. Je sais pas s'il y a marqué. Ben, si tu sais, dis-moi. N'hésite pas à me dire combien de temps on peut la brûler. Tac. Non, il n'y a pas marqué. Non. Mais écoute, j'aime beaucoup l'odeur. Moi, j'aime bien tout ce qui est floral au niveau des bougies. Floral, musc, etc. J'adore. Donc, merci pour cette bougie. Et là, on est sur quoi? Ah, Monoï. Bon, ça, c'est pour l'été, ça. Ah, j'adore. Oh là là. Ah, ils sont trop bons. C'est très, très beau. Ah, j'aime beaucoup. Ah, ça, c'est pour l'été, ça. Ça sent super bon. Bah, écoute, merci beaucoup. J'adore les bougies. Moi, j'en ai tout le temps. Hein. Je kiffe les bougies. Donc, encore une fois, t'as bien... T'es en plein dedans, en fait. Voilà. C'est parfait. Franchement, merci beaucoup. Ensuite, on est sur le numéro 6, cette passion qui nous relie. Donc, je pense le DP. Numéro 6. Oui, je crois que c'est du DP. J'arrive pas à l'enlever. Merci. Merci. Alors, on va pousser un peu tout ça. Numéro 6. Je pense que c'est du DP. On va pas se mentir, je pense que c'est bien du DP. Alors, je vais l'ouvrir par où? Peut-être faire comme ça. Bon, on va déchirer. Je filme, hein. Oui, oui. Ouh, elle est tarée. Regarde. Mais c'est taré. Je pense que t'as dû le prendre de ton stock parce que je crois que celle-ci, quand j'ai commencé à connaître Dac, elle y était pas. Ou à moins que j'ai pas du tout. Parce que là, ça fait un moment que je regarde plus trop ce qu'il y a dessus. Pour éviter de commander parce que je n'ai plus de sous à mettre dedans en tout cas. Et je suis choquée. C'est. Waouh. Tu t'es séparée de l'épée DAC. Je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente. Bon, j'espère que t'en voulais plus vraiment parce que... Je suis trop contente en tout cas. Franchement... Ouais, et puis en plus, c'est les couleurs que j'aime. Hein. J'adore le violet, le bleu. Mais en plus, c'est pour ça que tu m'as demandé, je pense. T'as dû me demander les couleurs que je préférais. Et ouais, c'est ça. C'est le bleu, le violet, le jaune, le vert, le noir. J'aime beaucoup le noir aussi. Le rouge, le bordeaux. Et c'est exactement ça. Alors, je vous montre. Regardez-moi ce qu'est cette tarée. Wow. Non, mais Emmanuel, franchement, là, t'es folle. Ouais. Waouh! Je vais pas vous montrer dans cette vidéo le déballage. Je vous ferai dans une autre vidéo complémentaire parce que sinon ça va être la vidéo va être trop longue. Donc je vous montrerai dans une autre. Enfin, on va l'ouvrir ensemble en fait pour voir. Parce que je connais pas du tout cette image. Je connais pas du tout cette image. Donc je pense que ça c'était au moment où je connaissais peut-être pas Dac. Ou alors je commandais pas tout le temps. Elle est très très jolie. Elle est très très jolie. Et
c'est les tailles. Non, mais franchement, mais la taille, t'as aussi été dans le 1000 parce que c'est vraiment les tailles que je préfère maintenant. C'est du 56 par 76. Et moi, je suis dans tout ce qui est 50 par 70, 60 par 70, 40 par 50, etc. Mais plus des. Les 80-90, bon bah à part les trucs, enfin les custom, etc. C'est vrai que maintenant j'essaie de commander tout ce qui est un peu moins grand, enfin pas grosse nappe en tout cas. Et là bah c'est parfait. Hein. Là c'est parfait pour moi. Oh là, je suis trop contente, j'ai envie de l'ouvrir, mais en même temps, bah, je veux pas tout de suite. C'est trop long. Oh, je suis trop contente. Mais du coup, ça va être la surprise. Je ne sais pas combien il y a de couleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas le nombre de AB, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est Berry Branch de Annaline. Voilà. Il y a un petit hibou, donc il y a une petite demoiselle qui a un panier, je pense. Ouais, un panier avec des berries. Donc je sais plus ce que c'est, les berries, les mûres. C'est quoi déjà les berries? Des blueberries, c'est les myrtilles. Non, des berries. C'est pas des myrtilles. Non, juste des berries. C'est pas des myrtilles. Bon, des berries dans son panier. C'est des myrtilles. Non, blueberries, oui, c'est des myrtilles, mais juste berries. Et bah, c'est des myrtilles aussi. Non. Mais pas bleu. J'ai dû changer ma batterie parce que il n'y en avait plus. Alors donc c'est des baies. Là, des baies dans son petit panier. Et je la connaissais pas du tout, cette image, mais je sens que je vais m'éclater dessus. Voilà, c'est complètement tout ce que j'aime. Voilà. Franchement, merci, mais merci énormément. Alors moi, je fais comme si c'était terminé, alors que c'était pas terminé. Mais merci, franchement, déjà pour tout ça, parce que je m'y attendais, mais tellement pas. Quand tu m'as dit des petits cadeaux, des petites choses, je me suis dit Coverminder, ok, petit stylet, une petite barquette, voilà. Mais je m'attendais pas à tout ça. Des bougies, des choses qui viennent de chez toi, etc. Donc franchement, moi, ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Et merci encore. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Bref, donc on n'a pas fini. Hein. Numéro 7, donc le dernier. Hein. À son utilité pour le DP. Donc, cette chose, le dernier, à son utilité pour le DP. Qu'est-ce que ça peut être? 1. Une petite boîte. Une boîte. Du scotch. Washi tape. Washi tape. Washi tape, je pense. Oui. Ouais, ouh! Ah, ils sont super beaux. Ah, mais ils sont super, super beaux. En plus, t'as bien emballé ça. Alors, on va voir ça ensemble. Mais ils sont super beaux. Déjà, il y en a un là qui irait très bien. Ou alors peut-être celui-là. Non, plus celui-là. Qui irait très bien avec ce petit DP là, tu vois. Regardez, on a du petit washi tape. Et encore une fois, il y a des vidéos qui ne sont pas encore sorties, mais j'avais acheté aussi du washi tape. Enfin, acheté, non, c'était en partenariat, pardon. Mais de toute façon, vous l'aurez vu. Mais voilà, quoi. Je suis dans une phase Coverminder, washi tape, plateau, stylet, DP, enfin, bref, tout, quoi. Il est très, très beau. Et je pense que celui-ci, ouais, il irait très, très bien avec ce petit DP-là. On a ensuite celui-ci, un bleu, un peu, je sais pas comment dire, éventail, écaille, je sais pas trop comment dire, attendez, voilà, là, vous voyez bien, hop. Très très beau. Ensuite, on a glitter tape, donc là c'est un pailleté, il y a marqué... BFF, thanks, lol, OMG, yes, ok, kiss, hug. Voilà. Avec des petits cœurs roses. Je vais vous montrer dans le bon sens. Voilà. Tac, voilà.
Bon, je sais pas si c'est dans le bon sens pour vous. Très très beau. Et je vois aussi un DP avec lequel je pourrais mettre ça. Ah oui, parce que maintenant, je suis comme Kikuei Diamond Painting. Hein, j'essaie d'allier mes DP avec mes washi tape. Oui, oui, oui. J'adore. Ensuite, le dernier. Waouh. Ah, lui, il est très, très automnal. Hein. Bah, c'est ça. Très automnal. Très, très beau. Regardez. Donc là, c'est avec des feuilles d'automne. Je pense pas que ce soit des feuilles d'érable. Non, les feuilles automnales. Ouais. C'est carrément pour l'automne. Et pareil, je pense avoir une toile qui pourrait aller avec. Très, très beau. Waouh. Bah écoutez, voilà. C'était le petit colis de Emmanuel. Je suis choquée. Je suis choquée, mais tellement contente. Je suis également gênée parce que ça fait beaucoup. Quand tu me dis petit cadeau, je m'attends à petit cadeau. Mais t'es tellement gênée. En fait, c'est tellement généreux. C'est gentil, généreux. Voilà. J'ai même plus les mots, mais je suis tellement contente parce que. En fait, de me dire qu'on a créé ce petit lien, ben je me dis que ben je fais pas ça pour rien, quoi. C'est dans le sens où tout ce que tu m'as dit dans ta lettre, ben je sais pas. J'ai plus les mots, mais je suis tellement gênée. Là, je sais plus quoi dire. Désolée pour les emballages, je ne suis pas douée pour ça. Elle m'a dit ça à la fin. Et je tiens à te dire que tu es douée, parce que moi, je... Moi, c'est les bonbons. Voilà. Quand j'emballe quelque chose, c'est des bonbons comme ça. Et je mets une ficelle et c'est terminé. Voilà. Donc, t'inquiète pas, tes emballages, ils sont top. Voilà. Et ouais, donc elle m'a sorti beaucoup de compliments dans sa petite carte. Déjà, rien que là, je pense que vous avez dû le voir, ça m'a vraiment touchée énormément. Et de voir tout ça, c'est juste incroyable. Enfin. J'ai plus les mots, je suis désolée, hein, vraiment, là, je suis en train de... Je me perds dans ce que je dis, je bafouille, mais je suis juste... Waouh, voilà, c'est... Waouh, et elle a été tellement dans le mille, en plus, c'est fou, c'est un truc de fou, sachant que je vous montre des choses, etc., mais là, je me rends compte mais à quel point, au final, à travers mes vidéos, vous commencez à me connaître aussi. Et non, mais vraiment, je suis trop contente. Voilà pour cette vidéo. Et évidemment, je remercie encore Emmanuel. Vraiment, vraiment, je te remercie du fond du cœur. Et pour ce DP, on l'ouvrira ensemble dans une prochaine vidéo. Bon, voilà, comme ça, je pourrai tout découvrir en même temps que vous. Je la laisse fermée. Je l'ouvrirai avec vous en vidéo. Vous aurez du coup vous allez avoir du coup ma surprise, hein, puisque je ne sais pas quel est le rendu. Je ne sais rien. Et ça sera la petite surprise aussi en vidéo. Voilà. Je suis tellement contente. Je vais tester... je sais toujours pas le nom, mais je vais le tester. Voilà, je vais évidemment utiliser tes Coverminder que je vais mettre sur le petit frigo. Voilà, ces petits stickers vont me servir pour mes carnets. Oui, ça évidemment, bah, je vais les utiliser. Hein, ça, c'est sûr et certain. T'inquiète pas, les bougies, je kiffe, j'en ai partout. Je vais les utiliser aussi. Washi tape, je vais utiliser. Et ça, mais demain matin, on les mange. Voilà, c'est clair. Voilà. Et ta carte, ben je vais la garder. Parce que vraiment, ça me touche tellement. Voilà, je suis très contente. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et un très très gros bisou à Emmanuel et à ta fille aussi.
Vraiment, merci beaucoup. Tu lui diras hein, que j'ai mais tellement adoré ce petit cadeau fait main. C'est waouh. Et je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Merci pour tout. Vraiment, mais là, je parle en général et vraiment, tous vos commentaires, je vous kiffe. Je vous kiffe, c'est tout. Et je ne m'attendais pas à en arriver là aujourd'hui. Voilà, je vous raconterai peut-être un jour mon histoire de comment j'ai commencé YouTube, ou plutôt recommencé. Voilà, peut-être que je vous raconterai ça et vous imaginez même pas à quel point je suis mais tellement touchée aujourd'hui. Voilà, je vous fais des bisous encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao.